Bon ben bonjour à tous, donc comme vous avez vu dans le titre un petit peu, aujourd'hui on va voir un petit peu le squat équipé, donc avec Caroline Sunet. Donc j'imagine que vous la connaissez, elle a fait les derniers championnats du monde en équipé, elle a déjà plusieurs championnats dans ses bagages. Je te laisse te présenter un petit peu dans la discipline équipée du coup. Oui, donc Caroline Thunet, donc 34 ans, je me fais un petit peu vieille maintenant. Ça va faire maintenant 2 ans que je pratique l'équipée. J'ai participé à mon premier championnat d'Europe, donc c'était à Pilsen, premier championnat du monde l'an dernier en Suède, et donc cette saison 2019 où j'ai participé à mes pareil au championnat d'Europe à Pilsen et à Dubaï à mon deuxième championnat du monde. Voilà, donc c'est très récent aussi Ok. l'équipée. Du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu du squat équipé et la différence qu'il y a entre le row et l'équipé. Oui, alors on a essayé de faire un petit tuto qui est assez rapide et on pourra revenir si éventuellement, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur comment on met le matériel à un équipé au squat, comment on met les bandes, comment on peut les enrouler, quelle est la technique et quelle différence il peut y avoir majeure entre le row et l'équipé. Très bien, ben on voit ça tout de suite. Tout d'abord, il existe différentes combinaisons de squats. Donc le plus généralement, c'est la super centurion, donc tant qu'il fait, avec différents. Donc si tu arrives à zoomer, je ne sais pas si tu arrives là, on peut voir la taille. Donc moi, je mets une taille, à l'occurrence en compétition, je mets une taille 36. Normalement, dans la catégorie de poids de 57 kg, les filles tirent en 32, 30. Voilà, donc plus serré. Chacun fait comme il veut, donc on pourra revenir sur la spécificité. Moi, j'ai mis à avoir, être à l'aise dedans. Ça a été le choix de ma part pour après, plus tard, revenir serré. Donc, par exemple, moi, l'an dernier, le championnat du monde, j'ai tiré dans une combinaison qui 32, on imagine comme le jean, hein. Et cette année j'ai tiré avec du 36. Comme tu as pu voir ici, tu as RS. Donc RS, il y a RS ou donc regular side ou WS, wide side. Donc regular c'est squat classique, normal, wide side c'est quand on est écarté. D'accord. Donc déjà deux types de combinaisons. Ce qu'il faut savoir aussi, on se rend compte, c'est que certaines combinaisons qui sont faites aux États-Unis ou ailleurs, des fois on l'applique différent que nous ce qu'on peut faire en Europe. Donc ça c'est à voir, ça à tester. Des combinaisons peuvent coûter plus ou moins cher, donc il y en a 200 euros jusqu'à 300 euros. Moi je préconise qu'on débute de commencer avec du matériel qui est assez large. C'est très difficile à gérer la trajectoire après si c'est trop serré. Ouais, la trajectoire, moi c'est ma. Enfin, en tout cas c'était ma problématique parce que je pense que chacun va gérer sa problématique. D'être trop serré, alors moi j'ai des grosses cuisses donc sans me serrer trop et puis après le sang passe peu, donc sans déjà avoir les bandes de jour. Et après, si on est trop serré là, ça m'a amené vers l'avant. Donc j'étais un peu, ça faisait le bossu d'Ondane et je me retrouvais comme ça et donc je partais souvent en avant. Ouais. L'idée c'est vraiment de s'asseoir, chacun va avoir sa technique, mais moi je vais vraiment m'asseoir derrière, utiliser au maximum, c'est comme l'idée de le tir à l'arc, je vais tirer au maximum pour après que ça fasse l'effet. Rebond, ouais. Alors moi je vais vous montrer comment je mets moi ma combinaison. Alors je suis un petit peu plus grosse mais ça c'est ma combinaison vraiment et ma combinaison du coup de match pour le terre parce que je la prends et je la retourne à l'envers. C'est une particularité, il y en a qui font comme ça, il y a des matériaux spécifiques. Donc je ne vais pas le faire là mais d'habitude moi du coup je prends tout simplement des sacs plastiques. D'accord. Simplement, voilà, je les mets, j'enfile et en fait ça me permet de le faire facilement. Donc une première jambe. Une deuxième, et après, on essaie de monter. Généralement, il y a une ou deux personnes qui peuvent vous aider à monter de chaque côté. Sinon, différentes techniques, vous veniez. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de quoi. On s'accroche, on peut s'accrocher, et on sort. Et là, vous essayez, on fait des petits mouvements pour faire ici. On bien, ça n'a pas de problème assez bien. Ça c'est système D comme moi, si on est seul à s'imprimer, et oui, c'est oui. Tout ça. Ouais. Après chacun, il y en a qui aiment bien que ça reste plus bas, il y en a plus haut, donc chacun. Moi j'aime bien que ça monte complètement, donc on fait glisser petit à petit. Donc voilà, on monte assez rapidement. Donc là ça va très rapide, c'est bien pour débuter.
D'habitude, ça met un petit peu plus long. Et après, voilà. Normalement, c'est quelqu'un qui doit pouvoir le mettre parce qu'on n'arrive pas à les mettre seul. Oui, oui. Là, ça va, c'est assez large. Donc, ouais. C'est très large. C'est là, c'est ma combinaison, moi, de terre. D'accord. Je mets de l'autre côté. Ça marche. Bah, on précisera que du coup, c'est. Squat, c'est pas que pour le squat, là, c'est que pour le terre, du coup. Ouais, ça alors marche. Moi, cette combinaison, je m'en sers pour le squat. Quand j'ai repris mon bloc spécifique pour l'équiper, donc moi, j'ai fait le choix, en tout cas pour cette année, cette préparation du championnat du monde, de faire seulement une préparation de 5-6 semaines spécifique à l'équiper. Donc, c'est-à-dire que depuis les derniers championnats d'Europe dernier en mai, je n'ai pas touché une seule fois le matériel. Et après, quand j'ai repris avec du matériel large, donc à l'exploiter, donc squat avec cette taille-là, du 38, et je n'ai mis que deux fois seulement ma combinaison de squat, donc la 36, avant la compétition. Après, l'idée dans un futur, ce sera d'arriver et mettre peut-être une 34, mais il faut arriver à ce qu'on appelle customiser, donc individualiser sa combinaison. Mmh. Donc, par exemple, il y en a qui ont des cuisses plus ou moins larges, donc moi j'ai des grosses cuisses, donc on peut venir en. On écarte, alors je ne sais pas si on aura l'occasion de le montrer, on essaie de passer la pipe pour agrandir ici. Après on peut venir, je ne sais pas si tu arriveras à montrer, moi j'ai la taille plutôt fine, donc si tu veux, on arrive à une couturière et on essaye de coudre pour qu'en D'accord. fait la combinaison soit le plus possible proche du corps. Donc, ouais. L'idée c'est peut-être d'y aller step by step petit à petit pour au début réduire un petit peu pour trouver là où on se sent le mieux. En gros c'est une seconde peau quoi. Exactement. Je dis souvent, il faut arriver à le faire quoi avec le matériel. Alors, c'est pas si facile, mais voilà. Vraiment, l'idée, c'est de se sentir bien et de se sentir à l'aise dedans. Ok. Et après, certains peuvent aller, on peut venir pincer en fonction de la hauteur là-haut. Il faut pas non plus que ce soit trop serré. Moi, j'aime pas en tout cas que ce soit trop serré parce que plus c'est serré, plus du coup, ça va amener les épaules vers l'avant. Oui. Ouais. Voilà. Donc que ce soit pour le squat ou pour le terre, si on est trop en avant, bon, ben, certaines problématiques. Voilà. En tout cas, pour moi, dans ma manière, dans ma technique de squatter ou de faire du terre. Alors pour les bandes de genoux, il existe différents types de bandes de genoux. Alors là, je vous ai amené ces bandes de genoux d'entraînement, type d'entraînement SBD, qui sont rouges assez souples, donc on peut le voir là. Comme ça. Moi j'aime bien quand je reprends l'équipé, c'est par ça que je commence parce qu'elles sont assez souples, ça fait moins mal et ça permet d'avoir une reprise en douceur. On verra. Et d'autres, la plupart aussi à l'international on peut le voir, donc ça c'est les Inzer, donc un petit peu plus dur. Et il en existe d'autres, il y en a qui ont du titan, il y a du Inzer aussi, moi j'ai les trouvé avec du. Qui correspond moi à ma manière de squatter pour me permettre du squat malgré le matériel à remont. Et je pense avoir trouvé les bandes qui me correspondent. Donc, il existe aussi différents types de bandes et en fonction je pense, de comment on squatte, on va choisir et comment on arrive aussi à pouvoir mettre ces bandes de genoux, on va choisir en fonction. Normalement, on enroule les bandes. Alors souvent, moi, je le fais à la main, sinon, une manière d'enrouler, par exemple, quand vous êtes seul, moi, après, ça fait bien les avant-bras. Donc, c'est ici, je tire, je mets de la tension. Et après j'en ben moi j'ai plusieurs paires de bandes et comme si je m'entraîne seule, je me fais mes bandes à l'avance, donc je les arrive assez donc au moins je suis chaude. Pour ne pas avoir le fer entre les cils parce que sinon ça prend vraiment de l'énergie. Déjà tu peux mettre les bandes seules. Donc l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui puisse mettre les bandes. J'ai une importance pour moi primordiale, peut-être un petit peu plus à m'équiper qu'en haut, avec la relation qu'on peut avoir avec le coach et la notion de confiance. C'est lui qui va nous mettre le matériel, c'est lui qui va nous mettre notamment les bandes de genoux. Et chacun va à une manière de mettre ses bandes. Donc moi je vais vous présenter la mienne manière. Sans me resserrer évidemment parce qu'ils sont enroulés, etc., etc. Mais c'est ma manière de faire. D'autres, je me donnerai le d'autres fonctionnent d'autre manière. Donc si la personne qui nous pose les bandes ne nous pose pas comme on aime, ça va jouer énormément. Ça va jouer énormément dans la performance. Donc il faut vraiment une relation de confiance avec les coachs qui vont nous aider avec le matériel. Donc après, moi je vais vous montrer comment moi je mets les 10 différents types de manières. Il y en a qui aiment bien soit commencer dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, moi ça ne me pose pas trop de soucis. Donc, l'idée c'est qu'elles sont tendues, on imagine qu'elles sont bien tendues. Et c'est d'arriver à garder la tension tout au long qu'on a créé, pas faire d'appel. D'accord ? Donc là, je m'imagine. Et on vient à la moitié. Donc là, c'est facile, on a les traits.
Donc moi, je monte. L'idée, c'est qu'on essaye de maintenir toujours la même tension parce que si on tire plus et qu'on relâche, la bande peut s'ouvrir aussi devant. Donc moi, la particularité, il y en a qui, voilà, il y en a qui font des croisés. Moi, c'est ma manière de faire. D'accord. C'est plus dur. Moi, une de mes particularités aussi, c'est comme un peu les bandes de genoux. J'aime bien que les genouillères, pardon, ça monte. J'aime bien monter un petit peu plus que certains. Je monte. Voilà. Et là, je viens croiser devant. Et je prends. Donc après, imagine. Ça, c'est ma pose. D'accord. Donc il en existe aussi différents, donc on a bien compris. Vous voyez la tension qui est différente si on imagine, même si elles ne sont pas roulées, je imagine la même. Et vous avez bien compris que si elles sont bien enroulées, comme je vous ai montré par une enrouleuse, c'est d'arriver à garder sa tension. Mmh. Et pas arriver que quand on les pose, elle est là ou sinon ça peut s'ouvrir. Quand je squatte ou si c'est trop écarté, ça peut venir et se relever. Donc l'idée, c'est vraiment que ça s'ouvre. Et après, on se lève, là c'est normalement on ne peut pas arriver trop à marcher. Donc l'idée, si j'imagine, c'est vraiment d'aller chercher entraînement à des genouillères. C'est je viens vraiment m'asseoir, on imagine qu'il y a la combinaison, et m'asseoir aussi pareil dans les bras. Donc c'est comme si j'essayais de créer la tension maximale, oublier la tension des bras, et de venir vraiment venir s'asseoir derrière, s'asseoir dans les bras, s'asseoir dans la combinaison. On a l'impression la première fois qu'on va tomber en arrière, parce que c'est pas la même manière de squatter. En tout cas moi je ne squatte pas de la même manière, pas du tout de la même manière en haut qu'avec le matériel. Et avec le matériel, en tout cas pour ma part, j'ai du mal paracentrique parce que j'ai du mal à descendre, le matériel nous empêche à descendre. Souvent on dit c'est même parfois plus dur de descendre et de maîtriser cette charge que de remonter. Et donc c'est vraiment d'arriver de s'asseoir, on a l'impression qu'on va tomber en arrière, mais non, il y a le matériel et il nous aide et on reste droit au final. C'est particulier, on a l'impression qu'on va vraiment en arrière, donc c'est s'asseoir, vraiment s'asseoir, s'asseoir dedans. Et pour avoir cette idée de tension et d'effet après, bon. Après, différents types de squat, mais comme en haut, il y en a qui squattent très lentement et après qui font remont, c'est mon cas. Il y en a qui squattent très lentement et qui attendent le bip de leur entraîneur pour pouvoir monter. Comme Sofiane par exemple. Comme Sofiane par exemple. Ou il y en a, comme Hassan, qui vont très très vite et qui vont. Donc pareil, comme le gros, différents types de squats. Il y en a qui ont la barotte, il y en a qui ont la barre basse, il y en a. Donc ça, c'est un petit peu une des similitudes par rapport aux différentes techniques. Pour moi, de manière générale, il y a vraiment. Je vais enlever quand même parce que même si elles sont pas poussées. Ouais. Tu auras plus de sang après. Hein. Exactement. Donc ça, c'est pas une des choses à prendre en compte, c'est la mise des bandes. Alors ça dépend. Il faut pas mettre le matériel trop tôt parce que sinon, ben, c'est ce qui m'est arrivé des fois à des compétitions où peut-être la personne qui bande donc ils mettent à peu près trois bandes parce que l'idée de mettre une de bandes donc ça prend du temps. Bon, elle va se mettre en position. Donc généralement ils sont deux coachs au squat, il y en a un qui regarde quand c'est qu'on doit poser les bandes, il dit feu et le coach qui nous met les bandes, si. Par contre ça peut arriver quand il y a dans le timing, si on les met trop tôt, vous imaginez l'effet que ça peut faire, ça fait garrot. Donc moi ça m'est déjà arrivé, j'avais plus de sang et puis là on dit voilà, on va pas y arriver. C'est cuit quoi. Pareil, quand, donc il y a vraiment un timing là aussi à jouer par rapport à la mise de bandes. À la seconde près, c'est hyper important, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et ça va jouer, ça peut jouer en tout cas sur la réussite ou non de la barre. Mmh. Et c'est d'où il y a déjà techniquement, on va dire, la moindre erreur technique au squat, comme d'ailleurs chacun des mouvements avec le matériel est fatal, plus qu'un rond. Mais ce détail, pour moi, est très important aussi. Et ça va nous mettre dans une étape psychologique pour pouvoir se sentir prête à aller faire la barre en se disant j'en peux plus, quand on sent plus. Bon, c'était mon cas en tout cas sur ma troisième barre à Monde et ça a été mis un peu trop tôt. En fait, c'est les personnes avant du coup ont tardé parce qu'elles ont une minute et ben, je suis restée beaucoup plus longtemps avec mes bandes et là je sentais plus mes pieds, j'avais plus envie de s'enlever. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait penser si on n'est pas ultra concentré et focus uniquement sur sa barre et sa manière d'affaire,
Ça fait cogiter, et c'est pas, je vais pas dire que c'est pas très agréable, mais c'est une sensation, et c'est pour ça qu'il faut y aller aussi petit à petit, step by step, je le dis souvent dans la vidéo, et petit à petit, et arriver dans un premier temps à pas trop serrer les ventes, et puis après serrer, et voir aussi la tension qui nous va le mieux. Parfois, certaines ne serrent pas au maximum, parce que en fonction du type de bande aussi qui est utilisé. Il y en a qui est beaucoup plus serré. Hein. Donc chacun est différent. Mais de même manière, c'est des choses qui sont spécifiques et il faut individualiser. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les petites spécificités du squat équipé. Caro, je voulais revenir sur 2-3 choses qu'on a vues tout à l'heure, ou pas d'ailleurs. Dis-moi en plus. Ben, il existe, comme l'euro, différentes manières de s'entraîner avec le matériel. Donc bien évidemment, mais pas toujours sa combinaison. On peut mettre du matériel plus grand, du plus petit, en fonction du moment où on est à la compétition. On peut mettre aussi que le bas, et là donc c'est un travail spécifique. On peut mettre des manières différentes, donc serrer plus ou moins les bandes de genoux. On peut mettre des genouillères, travailler avec les genouillères, par exemple le bas et les genouillères. On peut travailler avec les genouillères et les bandes par-dessus. Donc il existe, comme l'euro, différents types de manières de s'entraîner aussi, mais qui restent spécifiques le plus possible à l'individu et à l'athlète. Okay. T'as beaucoup moins de tension en haut, c'est vraiment plus on va descendre, plus on va accumuler de tension. Exactement, donc le matériel va se grandir et on se met sous une certaine forme de tension. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire que du matériel, donc même quand on fait du préparation sur le matériel, on travaille aussi en haut. Voilà. Et moi par exemple, j'ai un squat qui est donc de manière très excentrique, donc je travaille aussi beaucoup de squat sur la descente 3-5 secondes avec une pause pour pouvoir monter qui ressemble, essayer d'être toujours pareil, le plus spécifique avec mon mouvement qui va être en compétition. D'accord. Donc c'est ma manière à moi de faire. Okay. Est-ce que tu as 2-3 petites anecdotes de matériel, de problèmes que tu as eu par exemple en compétition? Oui, ça m'est arrivé. Ben, au dernier championnat de France, ma combinaison casse. Donc là, ça arrive, on est comme un couillon et on se rend compte, mais on peut y aller, puis ça casse. Donc on n'est pas serein parce qu'on sait que c'est sans le matériel et sans cette tension, c'est des charges qu'on n'arrive pas à faire. Et oui. Voilà. Et l'autre anecdote, c'est au dernier championnat du monde, ma dernière barre, d'où l'importance de mettre le matériel juste à un certain moment donné, et je sentais plus mes pieds. Et donc j'avais des fourmis, je sentais plus mes pieds, je sentais plus rien. Et donc là aussi, c'est compliqué de sentir la tension parce qu'il faut bien sentir aussi la tension sur le sol, et je sentais plus rien. Plus on sent la tension, plus on est un peu maître de ce qu'on va faire. En fait. Exactement. Bien, merci à toi d'avoir parlé un peu du mouvement, du squat, du coup, qui est vraiment très particulier en équipé. On reviendra du coup dans d'autres vidéos. Un peu plus détaillé sur le développé couché, le bench press du coup, et également du soulevé de terre, donc le deadlift. Donc merci à toi et merci Flo. J'espère que vous avez un peu compris où on voulait en venir dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions à Caroline hein, dans les commentaires. Vous pouvez même me la suivre sur Instagram, Caro Suné, voilà. Et tester l'équipé. Exactement, tester l'équipé. Merci et à bientôt. À bientôt. Thank you.